à se coucher. Il va aller passer sa nuit là. Il est 5h30 à peu près. Donc dans une heure, il fait nuit. Une heure et demie, il fait nuit. Ça va être les étoiles après. Oh, on vient de chercher les étoiles. Après, ça va être les étoiles. Ne touchez pas aux enfants.
votre télé. Rangez-la par la fenêtre. Allumez votre corbeau. Ne touchez pas aux enfants. Est-ce qu'il entend des portes, Canada? C'est comme ça qu'on attrape les grands. On a réussi à faire sortir le soleil. Ah oui, oui, bah, il était temps parce qu'avant le soleil, ils ont été pris. Mais c'est vrai qu'il va faire beau là. Je crois que le mauvais temps est passé. Alors pour la gendarmerie, ils sont contents aussi, il sèche. Il y a peut-être beaucoup de services civils.
Non, ils attendent peut-être plus de monde et puis Et à un moment donné, il y aura la surprise. Et moi, j'aime bien se voir ce qui s'est passé le samedi dans le match. Parce que la province, c'est eux la province qui s'inquiète. Le gouvernement vient. On verra. Il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Avec Zemmour de merde, oui. Donc ça vaut. Il pourra bien se faire monter, Mais c'est pas lui, il va peut-être réveiller les cités. Ah. Parce qu'il peut pas le voir dans les cités. Avec l'opération. Ouais, mais l'opération, j'allais dire, c'est un truc qui n'existera pas. Front National ou Zemmour ou même Macron 2, c'est l'opération Ronce qu'il va y avoir dans les cités. C'est rien d'autre. Ils veulent faire la même politique qu'ils font en Palestine. Je dirais jamais en Israël. En Palestine, ils veulent tirer à balles réelles. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne le feront pas parce que l'armée en France ne retournera pas contre le peuple. Je ne pense pas que l'armée va tourner contre le peuple. Je ne crois pas. Mais le problème, c'est que le président de la République est le chef des armées. Il lui donne obéissance. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que la première des choses, il a fait changer le chef des armées. La première des choses de la Macronie, il a fait changer le chef des armées. C'est la première des choses qu'il a fait. Changer quoi? Le chef des armées. Oui, c'est la première. De Villiers qui a été remplacé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben c'est on savait déjà le début du plan, c'est ça. Mais moi, je crois pas à cette opération, tu vois. C'est... En tout cas, on va gagner un petit message d'optimisme, on va gagner. Ouais. Avec le pacifisme et lui, là-haut, il est en train de descendre. Il n'a pas encore touché terre, mais quand il va toucher terre, ça va être l'éveil. Oui, c'est la vérité qui va les faire. La vérité est en train d'éclater en ce moment. Pas tous. C'est pas tous des cheptrains. Quand il n'y a que deux traits derrière, c'est vraiment les réacteurs. Regardez là-haut. Lui, c'est vraiment les réacteurs. Il n'y a que deux traînées. Vous voyez, c'est les réacteurs, les deux traînées. Ouais. Celui qui est à gauche. C'est quand il y a trois traînées que parce qu'ils ne peuvent pas disperser avec les réacteurs, ils dispersent avec autre chose. C'est pas plus... Mais attention, tu as des bi-réacteurs, tu as des tri-réacteurs, des quadri-réacteurs. Hein. Oui. Mais la plupart des avions glissent. Et tu as même des mono-réacteurs. Oui. Mais quand tu as deux traînées, regarde, comme celui-là, c'est deux traînées. C'est un avion glissé. Là, il attend Il est en train d'expliquer vous les traînées chimiques là, non, c'est ça? Il vous a expliqué les traînées chimiques dans le ciel, non? Ouais. C'est fini depuis la loi de sécurité globale. Merci de nous avoir accompagnés. Vous avez bien connu la route, c'est bien que vous avez compris. Vous êtes bon dans les Champs-Élysées, c'est bien. Et nous, on sait qu'on va y aller. Voilà. Maintenant, il y aura un temps pour tout. Vas-y, peut-être tout à l'heure avec un peu comme moi, plutôt Black Box. C'est là qu'il y a eu un appel du premier ministre. Le premier couvre-feu, il a eu un appel ici contre le couvre-feu. Et c'est ici, ils nous ont envoyé la brave. Le premier couvre-feu à 21h, il était. Ils nous ont envoyé la brave ici. C'est bien ici, c'était à 7h. Il y a combien de temps? Ah, c'était le premier couvre-feu, je m'en rappelle plus, il y a un an, mais un an et demi. Oui, c'est ça. Il y a entre un an et demi, deux ans maintenant. On est tranquille jusqu'à la présidentielle pour vous.
les sélections. Il va se passer, il n'y aura même pas les sélections, il va se passer quelque chose avant. Non. Ça va vraiment. Elles auront lieu les élections. Parce que la troisième dose, ils ne savent pas comment l'annoncer, le gouvernement. Et là, les doubles doses. Ah, tu lui as montré ton message tantôt que tu as reçu. Ah, mon Dieu, c'est super intéressant, tu vas voir. L'Italie a annoncé tout d'un coup que pour aller travailler pour être vacciné, et ça a mis tous les Italiens dans la rue. Et ils ne veulent pas commettre la même erreur. Ils ne savent pas comment annoncer la troisième dose. Ouais, la Macronie, elle ne sait pas comment annoncer la troisième dose. Encore ensemble, hein.